J'ai vu une femme pour qui le Seigneur veut que je prie. Après ceci, là-dedans, à part la prophétie, qui était avec, avec un monsieur qu'on appelait Giscard. Oui, c'était qui? Venez. Laissez-moi résoudre les problèmes ici. Et vous donc, c'était Giscard. Hein? Giscard. Oui, papa. Ok, attendez. Oui. Elle était avec Giscard. J'ai vu quelque chose comme Ndolé. Il y a mon coach de sport qui s'appelle Ndolé. Ndolé. D'accord. Gloire à Jésus. Baba. Vous c'était votre professeur de sport, c'était qui encore? Who was your sport teacher? Ah? Ndolo. Venez. Ndolo. Mettez ici. Of Jesus. Donc, vous êtes avec Giscard. C'était Giscard. Giscard. Hein? Vous étiez avec Giscard. Oui, c'était votre ami, votre copain. Oui, papa. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? On s'est séparés parce qu'il ne voulait pas voir ma famille au point de moi. Il ne voulait pas voir votre famille à côté de vous. Oui. Donc il n'aimait pas votre famille. Oui, quand chaque fois quand il venait, il voyait les gens qui étaient chez moi. Ils se fâchaient, ils partaient. Et donc, vous êtes fâchés. Vous avez dit ok. Comme tu n'aimes pas voir ma famille, va-t'en. Parce que je lui ai laissé partir, il est parti, je lui ai laissé partir, je n'ai pas voulu forcer. À chaque fois, il se fâchait. Est-ce que vous avez un jour regretté de l'avoir laissé partir? Did you ever regret of allowing him? Est-ce que vous l'aimiez? Je l'aimais, papa. Vous l'aimiez? Oui, papa. Ouais. L'amour, vous ne savez pas ce que ça fait. You don't know what love does. J'ai regardé ma femme tout à l'heure là, vraiment. Je lui faisais les yeux comme ça. Elle a frotté ses yeux. Elle a dit que tu fais quoi comme ça? J'ai dit que je te séduis. Je te drague. Elle a dit, hé le père, je suis déjà tombé depuis. J'ai dit que pourquoi tu tombes encore? Bon. Regardez. Votre professeur de sport. Hein? Oui, papa. C'était encore quoi là? Dolo. Oui. Il est où? Il est au Congo. Est-ce qu'il s'est intéressé à vous? Was he interesting to you? D'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vous appréciait? Il m'appréciait. Il vous appréciait? Oui, papa. Il disait quoi? En fait, il appréciait les formes, la façon que je faisais le sport. Maintenant, attendez, s'il vous plaît. No, wait, please. Tu demandes à une femme, est-ce que le monsieur t'a fait les avances? Elle te dit qu'elle ne sait pas. Maintenant, un homme qui apprécie tes formes, broda, sista. C'est quel genre de choses que tu veux encore? Quel genre de paroles? Donc il apprécie tes formes et vous voyez que non, ça veut dire que non. Hey, je ne sais pas, vous savez. Parce qu'il sortait avec ma soeur quand vivait dans la même parcelle. Il sortait avec votre soeur, avec qui vous viviez dans la même. Oui, jusqu'à présent ils sont ensemble. Dans la même quoi? Dans la même parcelle. La même parcelle. Oui, papa. Going out with your sister with whom? Bon. Maintenant, on peut commencer la prophétie. Now, can we start the prophecy? Regardez, vous êtes marié. Non, papa. Pourquoi? Why? J'ai fait le premier mariage, j'ai fait un enfant, après c'est fini. Le deuxième mariage, il n'y avait pas les enfants. Il n'y a pas des enfants. Et c'est aussi fini? C'est aussi fini. Ça fait 27 ans que je ne règle pas. Ça fait 27 ans que vous ne réglez, vous réglez pas. Ma fille unique a 27 ans. Votre fils est né à 27 ans. Oui, papa, ma fille unique. Et depuis, vous ne réglez plus. Non, papa. J'ai accouché à l'âge de 18 ans après. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Dis-moi simplement ce que vous voulez. Je veux que Dieu me restaure. Parce que le même problème que j'ai, ma fille a le même problème aujourd'hui. Votre fille est où? Elle était ici ce matin. Elle est partie. Elle serait là demain matin. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez quelle restauration? Que les mensures reviennent? Que mes mensures reviennent. Et quoi encore? Et que ma famille souffre aussi des problèmes. Moi, je souffre des mensures. Le mariage, il n'y a pas. Le travail, je perds. Je ne fais que travailler, ça perd. Je ne fais rien avec. D'accord. Vous voulez vous remarier? Je veux me remarier, papa. Et vous voulez que votre fille se marie aussi? Je veux que ma fille se marie aussi. Et qu'elle retrouve aussi ses mensures normalement.
D'accord, ça va. Il faut right. simplement dire ça comme ça, on va arranger ça. Like Amen. Maintenant, je vais proclamer dans votre vie. Je vais prier. Dieu va ramener vos menstrues et ramener pour votre fille. Amen. Amen, papa. Amen. C'est qui qu'on appelait capitaine? Captain. Hein? Il y a une capitaine, client capitaine, parce que je suis vendeuse. Oui. Il y a qui que vous appeliez capitaine? Répondez-moi juste. Who do you call captain? Capitaine est là. Il est où? Il est au Congo. On l'appelle comment? Capitaine. D'accord. Et si c'est intéressé à vous? Non, c'était le copain de ma nièce. Vous, c'est toujours le copain de quelqu'un. Moi, j'ai vu ses yeux sur vous. Attendez. 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 Oui. Hein? Et si vous appréciez? Vous n'en savez rien. D'accord. Right. Maintenant, j'ai vu capitaine avec votre photo. With your picture. Je n'en sais pas, papa. Moi, j'en sais. I know. Oh! Jesus. Écoutez-moi. Oui, j'ai vu capitaine avec votre photo. Oui, hein? Oui, j'ai vu capitaine avec votre photo. Je ne dis pas qu'il est allé chez Marabout avec votre photo. Oui, mais je dis que il y a des choses que lorsque quelqu'un dit, souhaite, ça peut être une force contre quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui vous aiment sans vous dire. Oui, papa, je sais. Ah bon, hein? Oui, papa. Il n'y a pas de problème. Maintenant, écoutez-moi. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Je vous ai vu avec une jeune fille qu'on appelle Flore. I saw you with a young lady. Hein? Oui, papa. Flore. Oui, c'est comme si elle va aussi avec vous. Like elle fait aussi le business avec vous. Oui, elle est où? Elle est ici à toi. On l'appelle comment? Flore. D'accord, bah, si c'est ce que vous devez Amen. Faire. Flore, si. T'es là. Pletaou. En harem. Milkoum. Elle a un sac de couleur beige. Elle a un sac cuir. De couleur beige, qu'elle aime mettre en bandoulière. Oui, vous connaissez ce sac? Hein? Vous l'avez déjà vu avec un sac? Oui, vous l'avez déjà vu avec madame. Elle a un sac. De couleur, c'est comme ça, mais sombre. Hein? Couleur beige, sombre. Je vous dis quelque chose. Flore. Alors je parle, elle sort avec monsieur. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Elle sort avec monsieur. Oui, qu'on appelle Martin. Monsieur Martin. Oui, elle a un sac comme ça. Dans son sac, il y a quelque chose. Oui, papa. Pour le commerce. Oui, papa. Pour écarter les gens. Oui, papa. Ce n'est pas votre ami. It's not your friend. Gloire à Jésus. Parce que les femmes sont trop jalouses. Et vous, les femmes sont trop jalouses de vous. 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 Les femmes sont trop Je vous ai vu lors d'une fête. Vous êtes allé dans un bar. Vous étiez avec les amis. Hein? Entre les jeunes filles. Et vous êtes arrivé dans ce bar. Quand vous êtes arrivé dans le bar, vous étiez avec vos amis. Hein? C'était comme une fête. Vous étiez avec vos amis. Et parmi vos amis, il y a une qu'on appelait Jolie. Hein? Qu'on appelait Jolie ou Ma Jolie. Et dans ce bar, il y a un monsieur qui vous a aimé. Qui s'est intéressé à vous. Qu'on appelait aussi Monsieur Martin. Et cet homme... Soyez derrière elle pour la tenir. Be behind her to hold Jésus. Hein? Vous étiez là au bar pour boire la fête. Vous étiez assise. Vous étiez quatre autour d'une table. Vous étiez avec trois de vos amis. C'est ça? Et il y a un monsieur qui a quitté sa table. Il est venu vers vous. De tous vos amis, c'est sur vous qu'il a lancé les regards. On l'appelait Martin. Vérité, papa. Gloire à Jésus. Je vous
vous étiez donc assise. I saw you. Et pendant que vous étiez assise. While you were sitting. Pendant que vous étiez assise. While you were sitting. L'autre aussi, Martin venu s'intéresser à vous. This Martin came. Et il a laissé ses deux amis. Il a laissé ses deux amis. Il est venu. Il a commencé à vous draguer. Pendant qu'il vous draguait, ma jolie vous a dit qu'il n'est pas bien. Oui, papa, vérité. Hein? Elle vous a découragé. Vérité, papa. Est-ce que vous savez que le soir là, Martin a donné son numéro à ma jolie et qu'après ils se sont appelés, ils ont commencé à sortir ensemble. Professeur. Désolé, papa. Dis pas, papa. Que Dieu expose tes mauvais amis. Amen. Maintenant, écoutez. Il y a un esprit que le diable a mis derrière vous pour vous tourmenter. Vous comprenez? C'est cet esprit qui chasse les hommes. Vous voyez? C'est cet esprit qui chasse les hommes. Mais aujourd'hui, à cause de ce que vous avez honoré ce programme, écoutez bien. Cette malchance vous quitte. Amen. Dans le nom du baron de Jésus. Amen. L'Éternel va bénir vos affaires. Amen. Et Dieu va exposer le reste de vos amis qui sont mauvais, méchants et jaloux et qui méditent votre chute. Amen, papa. Avant la semaine prochaine. Oui, papa. Dieu vous montrera un signe. Amen. Recevez la délivrance au nom souverain de Jésus. Amen. De Amen. Vous êtes libre. Allez. Amen. Les portes fermées sont ouvertes devant vous. Amen. Parole de l'Éternel des armées.